Salut les amis, c'est DarkAngel1462, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite, la deuxième partie de Resident Evil 7 en compagnie de Ethan et de sa petite amie Mia qui vient gentiment de lui, entre guillemets, décapiter la main. Donc continuons l'aventure, nous devons donc fuir par le grenier suite à l'appel de Zoé. Zoé, on ne sait pas qui c'est, mais elle nous invite à nous barrer. Donc c'est parti. Nous allons reprendre juste en dessous du grenier. En espérant que le temps de chargement se passe bien. Oui. Allez. Ah, ça va plus vite déjà. Allez. Non, ne ralentis pas, s'il te plaît. Ok. Et je me suis fait baiser. Hé. Donc c'est pas grave. J'ai mis continuer au lieu de charger. Donc oui, j'explique parce que la partie juste d'avant, j'ai eu un problème de chargement juste à la fin du combat. Donc j'aurais dû mettre charger au lieu de continuer. Donc rebonjour. C'est Dark Angel. Donc voilà, on retourne. Donc ça c'est... Ah oui, une sauvegarde auto, c'est pour ça. Ok. Allez. Décidément. On va avoir des soucis avec les chargements, j'ai l'impression. C'est parti. C'est ce que je dis, ouais. Les temps sont affreux, les temps de chargement là. J'espère qu'il n'y en aura pas 50 000 dans le jeu parce que ça va vite m'énerver par contre. Allez, c'est quand tu veux. Ouais, j'ai le temps de me faire une raclette là, les gars. Allez, c'est parti, on reprend. Donc, on reprend où on était, on remonte. Pour ceux qui étaient là juste avant, vous m'avez vu faire le combat contre Mia. Et on recommence. Donc c'est parti. Donc on va ici. On récupère le pistolet, les munitions. Et le petit Bon, soin. d'accord. Oui, je sais viser, tirer, je sais comment ça marche quand même, j'ai fait la démo aussi. Alors c'est parti, on récupère des balles. Si je me souviens, il n'y avait rien d'autre, faut juste aller là. Hop là. Voilà. Donc c'est parti. On remonte et on recommence. On redescend. Joli. Allez chérie. Viens voir ton mec. Ah oui, bah crève alors, décapite-toi la gueule. J'ai pas fait gaffe qu'elle ait dit ça tout à l'heure. Vite, vite, recharge, recharge, recharge. Recharge, recharge, Ethan, Ethan, Ethan. Je sais bien que t'as une main en moins, mais recharge. J'ai fait sans crever tout à l'heure, je veux pas crever. Je ne veux pas crever. Vite, vite, on recharge, on recharge, on recharge, on recharge. Ethan, Ethan, Ethan. Oh joli. Joli. Ah, chérie! Bonjour chérie! Ah punaise! T'as dit chérie, t'as une petite migraine, je te cogne une balle, y'a pas de soucis. Hein.
Eh merde. Vite. Oh punaise. Oh la gare, ça va réussir à m'achever. Ah, j'ai plus de soins. Oh, je suis mort. Oh, je vais crever. Oh, je vais crever. Oh, je vais crever. Non, je crois que j'ai eu. C'était limite, hein. Merci à toi. Voilà, on en était arrivé ici. Ah, j'ai entendu le bruit, je crois que le chargement se fait. Ah, donc c'était un bug. Bon. Où est-ce qu'il m'emmène, le père Baker ? C'est bien, dans les trailers, j'ai toujours de mes... C'est pas le moment de claquer. T'as du pain sur la planche. Oui. Alors, un fistolage à deux balles. Allez. On charge, les gars, on charge. Allez, c'est le moment de bouffer. Où suis-je ? Qu'est-ce que... Allez, debout, jeune paresseux. C'est l'heure du dîner. Qui êtes-vous ? Où est Mia ? Mange, c'est bon. C'est pas pleurer à capable d'apprécier les bonnes choses. Lucas ! Ça devient lourd, vieux. Pose-toi de là, Marguerite. Ce garçon doit manger. Il doit prendre son dîner. Allez, mon grand. Bouge, allez. Vas-y. Oh merde. Il mange pas, Jack. Il mange pas. Ferme-la, Marguerite. Je prépare ça pour lui. Fous-moi le camp. T'es qu'un petit enfoiré. Oh, j'arrive pas à croire que c'était cet enfoiré. Ne mange pas. Il mange pas. C'était censé être un festin très spécial. C'est spécial, hein. Coucou mémé. Oh, et merde. Je parie que c'est encore ce flic. Petit poulet. Mémé, on se réveille. Ok, je bouge pas. J'ai faim. Ça me donne faim, moi. Oui. Balance. Ok, cool. Oula. Je veux dire, la vie, mais t'es morte ou... Ah, tu me fais flipper. Alors... Nico, bricolage, scie, corde, collier de chien x20. Faut s'attendre à avoir des chiens. Là, franchement. Allez, on continue. Il faut mettre quelque chose. Munition. Pistolet, mais j'ai plus de pistolet. Non, j'ai plus rien. Ah, pas mal. Alors, un fistolage de la main, là, deux balles.
Bon, allez, après cette petite mise en bouche, je crois qu'on va attaquer les choses sérieuses dans cette maison. Alors, qu'est-ce qu'on mange? Alors, tu connais la picole, hein. Ah. Une herbe. Herbe verte, les amis, le retour. Et retour des herbes vertes. Une plante aux propriétés curatives. Restaure une petite quantité de vie. Ok, donc retiens qu'il faudra que je revienne ici. Bah, c'est un beau bazar. Hein. Ça promet. Bon, bah, on va essayer d'y aller. Ok, ok. Donc là, c'est la même pièce. Il faut un crochet. Oh, le mec, il peut rien faire, quoi. Il faut absolument un truc, quoi. Oh putain. Oh putain, il s'amène. Oh la chatte, il m'a pas vu. Pas la peine de te cacher. Il croit me faire peur, lui. Tu pensais nous quitter avant la fin du repas? Putain, il m'a trouvé ce trou du cul. Vite, ça c'est quoi? On s'en fout. Oh putain! Oh, protection. Oh, des clés. Vite, on se magne. Je te tiens. Il est sérieux, putain, game over. Ah non, je suis même pas mort. Ma jambe. Je peux me barrer? Bah, je vais essayer. Remède de premier soin fort.
Et sérieux? C'est quoi ce délire? Impossible. Mais il déconne ou quoi? Vite. Vas-y, fais ce qui te chante. On se barre. Putain, elle n'empêche les mecs, ils ont des soins, c'est plus des soins. Hein. Si on avait ça sur Terre, putain, t'aurais plus besoin d'hôpitaux. Hein. Pièce antique, ouais. Ouais, mais ouais, le coup de la jambe, j'en reviens pas, quoi. Y'a pas là? Ah, d'accord, je suis passé de l'autre côté, ok. La salle à côté. Ok. Donc, le plan. Ok, c'est la porte qui était fermée. C'est bon ça. Hein. Retour des coffres. C'est quoi ça? Fluide chimique. Herbe. Combiner des objets dans l'inventaire. Donc je fais quoi ça? Ah, ok, c'est pour obtenir certains trucs. Si je combine de l'herbe avec un fluide. C'est ce que j'ai. J'obtiens un soin. Ok. Ok, un crochet, super. Une petite sauvegarde, bah écoutez, je crois que c'est faire le coffre. Alors, on va voir le coffre. Alors, permis de conduire. Oui, bah. Ah oui, les mails de Mia, donc dedans. Bah écoutez, on va. Comment ça marche ça? Déplacer tout. Ça, les balles pistolet. Le crochet, je vais le garder. Et les soins aussi. Petite sauvegarde. Au cas où il faudra recommencer la vidéo, je crois que je vais prendre une nouvelle sauvegarde. On ne sait jamais. Ok. Donc là j'ai eu quoi? S'il faut que j'aille où? Putain. Referme la porte. Referme la porte. C'est Zoé. Bien joué, Ethan. Ouais, c'est ça. Zoé, c'est ça. Qui sont ces cinglés? Tais-toi et écoute bien si tu veux rester en vie. Tu dois sortir de la maison. Il y a peut-être une issue via le hall principal. D'accord. Oh, le truc à ton poignet est un codex. Ne le perds pas, c'est important. Ah, c'est ma vie, ok. Elle est jaune. Donc, attention. Charmante. Qu'est-ce que t'en sais? Tu l'as vu? Est-ce que j'avais fini de tout fouiller ici, d'ailleurs? Ok, on continue. Il est où l'autre? Je sais plus où je dois aller là du coup. Oh, il a détruit la table. Et mamie elle a disparu, tiens. C'est pas ça. Si, il y avait un tiroir fermé là. Ici.
Merde, j'ai eu mes premiers soins. Là-bas. Monsieur, hey, au secours. Oui, ta gueule, ta gueule. Hey. Hey, vous devez m'aider. Du calme, reculez. Bon, vous vivez ici, monsieur? Est-ce que c'est votre maison? Quoi? Moi, non, non. D'accord. On a eu plusieurs appels à propos de personnes disparues récemment. Vous comprenez pas? Je dois sortir d'ici. Bon, calmez-vous. Mais vous m'écoutez pas. Il y a une bande de tarés dans cette maison qui essaie de me tuer. D'accord, que les choses soient claires. Vous ne semblez pas vraiment être en position de force, là, ok? C'est une blague. Écoutez, comme je vous ai dit, on a plusieurs cas de disparition. Et rien ne prouve qu'un étranger comme vous n'est pas impliqué là-dedans. Très bien. Je vous dirai ce que vous voulez. Bien, je préfère ça. Allez, retrouvez-moi dans le garage. On discutera là-bas. Hé, hey, attendez. J'ai besoin de votre arme. Vous devez être tombé sur la tête. Écoutez, monsieur l'agent. Shérif adjoint. Ok, monsieur l'adjoint. Vous voulez voir mon nom dans la rubrique nécrologique? Ou vous voulez être un héros et me sauver la vie? Un simple couteau de poche? Allez, prenez-le. C'est tout ce que vous aurez. Maintenant, au garage. C'est un ordre. T'es mignon, toi. Qu'est-ce que je vais faire d'un couteau? On va se battre. On va aller cuter le père... Le père Baker. Du coup, j'ai un couteau. Est-ce que j'ai des trucs à faire avec? Non. On va péter les caisses. Munitions. Là, y'a rien. Non. Ok, on coupe. Ok. Bonjour, il est déjà là, putain. Hé, hey, on doit vite se tirer d'ici. D'abord, vous allez me dire ce que vous faites là, tout seul, au milieu de la nuit. Moi? Et vous alors? Moi, c'est mon boulot. Votre boulot à vous, c'est de répondre à mes questions. Bah, il répond à sa question, déjà. Je vous écoute. Qu'est-ce que tu fous là, c'est clair? Hey. Remontez cette porte. C'est pas moi. Cette porte. Attendez. Ah bah. J'ai envie de dire une pelle, ça coupe à ce point-là. Ah c'est quoi ça? Bien joué. Oh cool. Changer l'objet équipé. Ok, couteau, pistolet. Y'a rien. Oh putain. Oh putain, il est pas content. Et voiture. Faut monter dedans, cool. Oh putain, il est mort, il est dead. Munition, pistolet, ok, parfait. Oh putain, il y a des caisses, il y a des caisses. Écoute. Oui, c'est ça. C'est ta sœur. Ah bah. La voiture. Attends, il va peut-être me coller au cul. Oh putain, il est là. Aïe. Oh merde, je crois qu'il m'a tué. Pathétique. Il m'a démembré le mec. Oh. J'ai envie de dire un truc, c'est qu'il est rapide quand même. Il se déplace vite le mec. Observez la pièce et recherchez des... à la recherche d'objets qui pourraient vous aider à combattre Jack. Ah ouais, non mais le mec là, j'avoue, il a fait fort. Hein. Ah, il se déplace super vite. Je m'y attendais pas, j'avoue. Hey, on doit vite se tirer d'ici. D'abord, vous allez me dire ce que vous faites là, tout seul, au milieu de la nuit. Moi? Donc attendez, lui avoir le gun par terre, les clés là-bas. C'est de répondre à mes questions. Vous allez jamais le croire si je vous dis. Je vous écoute. Hé, hey, remontez cette porte. Attendez. Remontez cette porte. Qu'est-ce que vous... Ah
Le pire, c'est qu'il te l'achève, le mec. Oh putain. Ça, c'est ce qu'on verra. Ah, fuite chimique. On va prendre les clés tout de suite. Il est où? Il est où? Putain. Putain, il casse la bagnole, le salaud. Non. Ça va juste piquer un peu. Raté. Dommage. Oh putain, c'est des malades. T'es un malade, mon mec. Y'a là. T'es un putain de gros malade. Est-ce que tu t'amuses? Oui, je m'amuse. Oh putain, merde. Non, c'est moi. Non. Ah non, putain, il a détruit la caisse. Il ferait mieux de commencer à courir. Ah bon? Oh putain, le taré. Malade. Oh putain. Il va me craser la gueule. Ah putain, est-ce que j'ai des soins? Je vais t'attraper. Je vais t'attraper. Oh putain. Putain, j'en bouge des soins, ça me fait chier. Oh putain, oh putain. Non mais c'est un gros malade lui. Ne bouge plus. Oh putain. Putain, j'ai plus que mon couteau quoi. Ah putain. Comment il veut que je fasse là? Eh merde. Ok. Eh, rigole pas le père Baker en fait hein. Oh le taré. Le mec il fait du drift comme ça dans sa, dans son garage quoi. Bon, on recommence, tant pis. On va y arriver, on va y arriver. Et je pense qu'une fois qu'on l'aura buté, hey, on va faire une petite sauvegarde. D'abord, vous allez me dire ce que vous faites là tout seul au milieu de la nuit. Moi? Et vous alors? Moi c'est mon boulot. Votre boulot à vous, c'est de répondre à mes questions. Vous allez jamais le croire si je vous dis. Je vous écoute. Hey, remontez cette porte. Remontez cette porte. Qu'est-ce que vous... J'adore. C'est un gros malade ce mec. Et si je prenais directement la caisse? Donc il est occupé. Vite, 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 vite. Saloperie. Je vais tous vous tuer un par un. Ah oui, c'est moi qui ai réussi. Comment je fais? Accélérer. Boum. Tiens, allez du con, je vais t'écraser ta gueule. Allez, tiens, c'est pour moi, c'est cadeau. Allez, c'est moi qui arrête, putain. C'est un jeune malade. Il est où? Putain, il est où? Je vais te rouler dessus, mon espèce de connard. Non, mais il est où, sérieux? Oh merde. Il est... Oh putain, il est monté. Oh merde. Sacré bagnole, t'as... Oui, oui, mais je peux rien faire. Avec toi, du con. Je peux rien faire, putain. Oh putain, oh non. Finissons-en, toi et moi. Non. Non, non. Allez, je vais t'emmener faire un petit tour. Non, je veux pas. Oh putain. Oh, j'y ai échappé. Ah par contre lui il est pas échappé. Je me suis fait défoncer la main quand même. Il respire encore. Oh le taré. Est-ce que je peux récupérer le pistolet du coup? Ok, on fouille la pièce, on se casse.
Oh putain, il est sérieux. Oh la vache. Regarde-moi le bordel que t'as foutu. C'est pas fini, tu sais. Comment je fais? Oh putain. Je veux me soigner, je veux me soigner. Oh putain. Ah mais le mec il résiste à tout quoi. Ah des premiers soins. Il reste mort cette fois. Bon, je vais où là? Je ressorte là-bas. Ah, il y a une échelle, peut-être là en fait. On va prendre l'échelle. Putain, mais l'échelle elle est à côté de lui, je le sens pas. Je peux monter? Non? Ah si. Oh putain. Regarde-moi bien, fiston. Tu vas voir quelque chose de magnifique. Non. Putain. Oh le mec! Oh mais t'es sérieux mon pote? Fallait me demander, j'allais te le faire hein. Il s'est carrément explosé la cervelle quoi. Il bouge encore. Non, dis pas que tu respires encore. Il s'est explosé la gueule. Ouais bah moi je me casse hein. T'es bien beau mon pote mais cartouche de... Oh putain, cartouche de fusil direct. Et attendez, j'avais un truc comme ça sur la porte, là, la grande porte. Ah voilà, je vais pouvoir sortir de là en fait. C'est bon ça. Ok, donc je reviens au garage là. L'entrée apparemment. Ouh. Bah c'est un malade le mec hein, le père Baker. Vraiment qu'il se fasse soigner. Hein. Moi je propose une petite sauvegarde déjà pour commencer. Et je sais pas combien on en est de vidéo. On a commencé à 34. On va voir. Du coup j'ai pas chronométré avec tout ce bordel, les temps de chargement et tout. 34, 1h04, ouais encore 10 petites minutes. Et on reprendra la suite ce soir. Je vous invite ce soir donc à me suivre pour au moins 2 épisodes. On va suivre 2 bonnes heures je pense. On va faire 2-3 épisodes ce soir. Alors c'est ici, ah voilà, c'est là. Taureau. Utiliser. Oula. Oh, il y a une musique déclenchée en plus. Tire-moi dessus, tire-moi dessus. J'ai pas envie de faire du bruit. Une herbe, ok. Poudre à canon. Putain, encore des succès, mais ils sont sérieux, il est partout. Détruire une statuette, mystère everywhere. Ah, ok. Pièce antique. Oh là, je vais te blinder là. Oh putain, téléphone de merde. Ça fait toujours flipper ça. Mon père t'a donné du fil à retordre. C'est ton père? Sérieux? Il l'a été. Je suis désolé, mais. Mort maintenant. Tu peux peut-être y arriver en fait. Quoi? Arriver à quoi? Je veux que tu fasses quelque chose, mais je ne peux pas t'en parler maintenant. Il te faudra des sortes de clés pour ça, mais tu dois sortir d'ici. Ok. Je te rappellerai. Ah ah. Ok. Trois têtes de chien.
Pendule d'horloge. Bon, moi je prends. Voilà, c'est fermé. Des scorpions. Il y a bien une clé scorpion vu qu'on est retourné à la Resident Evil 1. Plus de 30 disparus en 2 ans. Le capitaine Howell de la police d'État a annoncé à la presse le début des recherches pour tenter de retrouver Helen Midkiff, une étudiante originaire de Caroline du Nord en voyage en Louisiane. Ici, la jeune femme a été aperçue pour la dernière fois dans la nuit du 21. Les cas de disparition en Louisiane du Sud ont augmenté de manière significative au cours des deux dernières années. On compte aujourd'hui au moins 20 personnes disparues, dont la plupart sont des touristes ou des personnes errantes. La police, qui privilégie les pistes criminelles, soupçonne un lien entre les différents incidents, compte intensifier les enquêtes de voisinage et déployer un plus grand nombre d'effectifs dans la région. Alicia Ashcroft, 19 janvier 2016. Le chasseur des cieux, il représente Merne. Un chien qui regarde en l'air et qui aboie. Un aigle. J'ai rien en forme d'aigle aussi. Ah. Fluide chimique. Ah, cool. Oh. Oh. Y'a pas de piège? Ah, pas assez de place. Merde. C'est pas grave, on va voir vite fait en haut. Fais un petit tour dans le hall. Oh putain, ah y'a mamie. Hein? Je peux pas viser mamie? Ils sont sérieux? Attends, attendez, là je pouvais là. Ah ça fait rien, merde. Evelyne, 2014. Evelyne, alors attendez, il y a Evelyne, il y a Marguerite et machin. C'est pas qui avait la photo barrée. Une porte, ah, une barricadée, c'est quoi ça comme clé? Un serpent, ok. Je pense que c'est une clé serpent. Non mais, hey, mamie, tu me fous vraiment la trouille, hein. Oh putain. Ah, me fait flipper la vieille. Bon, écoutez, l'horloge, je vais y aller. Je crois qu'on va faire gaffe au père Baker, à mon avis il est pas mort. Je sens qu'il va arriver. Je sais pas pourquoi. Ok, non. On va mettre le pendule. Oh, j'aime pas quand ça sonne, dis sérieux. Une tête de chien. Ok, j'ai la première tête. Oh, j'aime pas. Arrête de sonner. Bon, bah voilà. Donc, on va trier un peu l'inventaire. Ferme-toi la porte. Alors, pièces antiques, apparemment j'en ai deux. Le fluide, ça, les herbes, des balles. Cartouche de pompe, pour l'instant on va les retirer. La tête de chien, je garde. Le fluide chimique, j'en ai deux. Bah limite, on va essayer de combiner tout de suite. Je peux créer tout ça. On va créer des balles. Voilà. Il m'en reste un, on peut créer des soins. Bah écoutez, on va faire ça tout de suite. Voilà. Tête de chien, on s'en fout. On a des balles, on a des soins, on est bien. Ok, on va garder les soins. On va tout garder en fait. Ah, j'avais gardé des balles pistolets là, c'est vrai. Hop, on les prend. Ok. Bon ben voilà les amis, on va sauvegarder là. Voilà. On va s'arrêter là pour le moment.
on va reprendre tout ça ce soir. Ouais, voilà, on en est à 40 minutes quasiment. Voilà les amis, donc on va reprendre ce soir au même endroit. Pour ceux qui seront là, sinon je vous donne rendez-vous sur ma chaîne pour revoir les let's play. Et n'hésitez pas à vous abonner s'il faut, sans me spoiler, hein, s'il vous plaît. Hein, je ne demande pas à être spoilé sur l'histoire ou sur le jeu, ce qui va se passer. Voilà. Sur ce les amis, portez-vous bien et ciao bye bye.